sure I got it. You cannot kill Sith. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameloc.fr. Puis nous sommes toujours au Köln Messe à Cologne pour la Gamescom 2017. On est du côté business, du côté de chez Electronic Arts, puisque nous avons pu essayer quelques petites expériences à droite à gauche. Et là, je viens de ressortir de mon expérience de Star Wars Battlefront 2, très attendu Star Wars Battlefront 2, qui arrivera le 17 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. J'ai pu essayer évidemment le mode assaut. Vous savez, ce mode dans lequel on va enfin pouvoir prendre des vaisseaux dans l'espace. Donc comme j'ai pas de race, j'ai essayé à la fois les vaisseaux de l'Alliance et les vaisseaux de l'Empire. Vous voyez, moi j'ai pas d'obédience particulière. Bon, en fait, on m'a imposé, hein, j'ai pas choisi. Et donc j'ai pu prendre en main ce mode spatial. Première chose qui vraiment saute aux yeux et aux oreilles, eh ben on y est quoi. On est dans une bataille spatiale. Je vais pas aller jusqu'à dire que ça vaut un Rogue Leader en termes de sensations, en termes d'effets, wow, putain, j'y suis. Mais quand même, ça fonctionne très très bien. Donc ce que j'ai pu essayer quand j'étais avec l'Empire, bah, c'est différents vaisseaux, tout bêtement. Différents vaisseaux de l'Empire, un TIE Fighter, un autre un peu plus bombardier. Ça allait très très vite. Ça se passait donc en orbite d'une planète dont j'ai oublié le nom, évidemment, parce que voilà, on est à la Gamescom, c'est la fête, on boit trop de bière, on bouffe trop de saucisses. Donc du coup, j'ai oublié le nom de cette planète, mais c'est celle qui est rougeoyante à la surface. Et donc, il y a d'énormes destroyers qui se baladent partout. Et vous avez différents objectifs à accomplir, à savoir abattre tel ou tel vaisseau, mettre tel dispositif d'attaque d'un de vos destroyers, le foutre en miettes, quoi, tout bêtement. Et ça peut aller très très vite. La maniabilité, vous la connaissez déjà peut-être par rapport au premier Battlefront qui est sorti il y a 2 ans. Vous accélérez avec le stick gauche en allant vers le haut, vous décélérez avec le stick droit, avec le stick gauche toujours en allant vers le bas. Différents styles de tir, des possibilités de loquer vos ennemis. Il y en a qui sont très rapides, hein, du côté de l'Alliance. Il y a des vaisseaux qui sont quand même assez chauds à aller choper. Il y a ce petit réticule, quand les vaisseaux sont en mouvement, ce petit réticule dans lequel vous devez viser pour que vos blasters, eh bien, anticipent en gros la course de votre ennemi, de la cible que vous visez. Des canons qui traînent à droite à gauche. Un Faucon Millenium qui m'a abattu une première fois et la deuxième fois je me suis vengé un peu après. Vu l'environnement, on pouvait pas trop faire de team play malheureusement, hein, mais j'imagine que quand ce sera le cas, ça va être très efficace de savoir, bah alors attendez, on a tel endroit à viser, tel bouclier à défoncer, et ensuite on a un temps limité pour abattre un gros réacteur. J'imagine que ça marchera très bien, en tout cas en termes de sensation, de vitesse, de pilotage, d'action tout bêtement, hein, de shoot. Côté Empire ça le faisait, et côté Alliance aussi. Côté Empire j'ai pu essayer, parce que vous avez droit à un certain palier d'expérience et de réussite, eh bien d'essayer des vaisseaux spéciaux, on va dire des vaisseaux premium. J'ai pu essayer le Slave One de Boba Fett. J'ai pas pu essayer ses capacités spéciales, mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose de différent quand je l'avais. Notamment quand je me suis crashé, c'était vraiment très différent, j'étais un peu plus dégoûté. Et donc côté Alliance, c'était la même chose, des X-Wing, des vaisseaux plus petits. Et pareil, possibilité de prendre le Faucon Millenium ou un vaisseau plus ombrageux. C'était encore une fois très agréable. Ces changements d'objectifs en cours, avec la petite voix qui vous dit à propos Red 13, vas-y, un peu comme vous avez une CB, vous savez, alors Tarzan, va attaquer tel truc, bah, c'était à peu près ça. Et c'était très très agréable à jouer, très joli. Les musiques de John Williams qui passent en même temps, je veux dire, quand vous allez les recevoir chez vous, j'imagine que ce mode là va vous faire ultra kiffer. Vous aurez votre casque sur les oreilles ou votre 7 points de bourgeois sur votre écran 4K de bourgeois aussi. Ça risque d'être vraiment très très agréable. J'ai pas pu essayer de mode au sol, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis là-dessus. Mais le Starfighter Assault, c'est, je pense, quelque chose qui va déclencher l'achat. Maintenant, on vérifiera quand on aura la version finale, évidemment. Et puis c'est Camille ou Johnny One qui sont des gros gros fans qui vous en diront plus. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui aime Star Wars comme moi, ça le fait beaucoup. Voilà, ça sort le 17 novembre prochain sur Xbox One, PC et PS4, évidemment. Star Wars Battlefront 2. Et puis bah, je vais aller faire d'autres impressions maintenant, parce qu'il y a des trucs à faire à la Gamescom. Hein. On ne tourne pas les pouces, on ne fait pas que bouffer des saucisses et boire de la bière. Boire la bière, c'est plutôt bouche du lot. Nous, on boit de l'eau avec Marc, c'est mieux. Hein, n'est-ce pas, Marc? Bon, et bah allez, à plus. Et n'oubliez pas, hashtag GCGameBlog sur Twitter. Ciao.
do not.